Alors si vous voyez eh bien, le classement du français, donc 31 non aujourd'hui, 31e mondial, c'est un moyen mnémotechnique assez simple d'intégrer eh bien, ce classement qui démontre qu'il fait partie du Gotha mondial avec une belle régularité, puisque on rappelle qu'Emmanuel a été champion de France en 2009, il avait 21 ans et qu'il est depuis eh bien, clairement très présent au sommet de la hiérarchie européenne. Il fut champion d'Europe ici même en 2016 à Budapest, donc les vibes sont bonnes pour Emmanuel Lebesson. Et bien c'est un bon moyen aussi de se rendre compte à quel point il y a de la densité aussi en ping, et que eh bien, on a beau être l'un des meilleurs européens, on est au-delà du top 30 mondial, parce qu'il y a vraiment au niveau asiatique une concurrence qui est exceptionnelle, et Lin Gaoyuang l'incarne. On parlait des bonnes vibrations concernant le français ici à Budapest. Sachez que le tennis de table à l'échelon mondial est régi par un circuit à l'année qu'on appelle le World Tour ITTF, et eh bien une de ces 13 grosses épreuves de la saison a lieu ici à Budapest en janvier, et c'est son adversaire Lin Gaoyuang qui l'a remporté chez les messieurs ce tournoi au mois de janvier dernier. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire que les deux sont habitués à l'ère de Budapest et apprécient plutôt l'ère hongroise en général. On va voir à qui ça va profiter tout à l'heure, mais voilà, un duel de gauchers, c'est de plus en plus rare sur le circuit. Voilà, Emmanuel Lebesson est plutôt à l'aise sur ce type de joueur. Voilà, on va bien voir après, là c'est une autre dimension, numéro 3 mondial. Voilà, Emmanuel est pour l'instant 30 mondial et joue son classement. Voilà, on va voir s'il va réussir à le perturber dès l'entrée de jeu, et réussir notamment avec des services rapides. Il faudrait qu'il essaye de le déstabiliser avec des services rapides d'entrée de jeu, ne pas hésiter à lancer le jeu. C'est notre match du jour, nous Français, notre numéro 1 tricolore opposé au numéro 3 mondial, le Chinois Lin Gaoyuang, place pour le top 16 en jeu. Bien joué, bien servi sur la zone coup droit du Chinois. C'est une zone qui va chercher à trouver pour éviter que le Chinois attaque directement sur son service du côté revers. C'est une vraie arme que possèdent les Chinois. Alors, ouais, il y a un petit problème d'arbitrage, tout se règle. Et voilà, la particularité du jeu d'Emmanuel Lebesson, c'est-à-dire qu'il a un coup droit vraiment surpuissant. Un revers qu'il n'est pas très à l'aise du côté revers, mais c'est vrai que dès qu'il touche la balle avec son coup droit, ça peut aller très très vite et très très rapidement. Ah, bien joué, bien battu. Tout de suite, hein, le coup droit, on le voit. Voilà, Cédric Cabestany, le coach qu'il voit évoluer tous les jours à l'INSEP, voilà, apprécié. Là, bien en jambe, bien relâché côté revers, c'est son point faible. Ah, dommage, petite faute. Ouais, parce qu'en pivot, généralement, il est plutôt fiable, le ouais. Français. Ouais, c'est son côté fort. Mais là, on peut voir le manque d'ajustement au niveau des jambes de Manu sur cette balle-là. C'est très important. Tes deux tables, toujours avoir l'avant-bras voilà, qui soit délié à peu près dans la même position pour chaque coup. Stop. Not high, no. Ouais, une petite réflexion sur le service d'Emmanuel Lebesson, sur la régularité du service d'Emmanuel Lebesson. Ah, c'est dommage, voilà, on a pu voir qu'il a lancé un petit peu sa balle plus haute suite à la réflexion de l'arbitre. Il a dû penser que le service était un peu irrégulier. Voilà, faut pas que ça le perturbe, Manu, qui reste dans son match. Et le Chinois qui va prendre deux services maintenant. 4-2. Voilà, pas encore réglé, Manu en coup droit. Alors ça va que ça revient très vite c'est ça. Du côté revers. Lin Gaoyuang, faut pas oublier que voilà, c'est le numéro 3 mondial. En revers, il a une qualité de bloc revers. Oui, et du coup, il faut anticiper. C'est vrai que
travailler ses pivots. Il doit les faire encore plus rapidement que face à n'importe quel adversaire. Et des fois, prendre le parti de rester dans la Diago revers peut être un peu salvateur. Oui, pas surpris par ce service en ligne. Manu qui essaie de se régler un peu au niveau du service et de son lancer. Et là, on peut voir le service qui sort directement sur la table. Et là, il n'y a pas de souci pour le Chinois qui peut prendre l'avantage au top spin coup droit dès le début du point. Allez, voilà. Voilà, c'est ce genre de situation qu'il faut réussir à se procurer le plus possible pour Manu. Arrivé voilà. Au démarrage à neutraliser. Et derrière, accélérer avec ce coup droit qui est vraiment surpuissant. Petite précipitation encore une fois là. Pourtant c'était une bonne remise de Manu, mais là c'est vrai qu'il peut prendre un petit peu plus le temps en jouant en diagonale. Là il a cherché un placement un peu compliqué au niveau du ventre. Ah, bien joué le placement de la remise du chinois. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est vrai que se décaler, il faut réussir à se décaler très très rapidement du côté pivot pour Manu. Le postulat du français, on voit clairement, c'est d'être dans une vraie agressivité, ouais. Pas se lancer dans des rallyes, essayer de prendre le jeu à son compte rapidement. Thomas, il faut assumer direct derrière. Oh, il se fait contrer magnifiquement. Le problème pour Manu dans ce genre de match, quand on joue un joueur comme Lin Gaoyuan qui est numéro 3 mondial, c'est qu'on veut tout faire un peu parfaitement et un peu trop rapidement. Et là, il faut pas non plus se précipiter. Il a le temps de jouer, etc. Il a reçu des bonnes balles pour l'instant. Il y a eu peut-être un petit peu trop de précipitation là pour Manu. Voilà, bravo. Ça fait deux fois. Et cette fois avec le revers, s'il vous plaît, bloqué. Impression de jouer contre un mur dans ce cas-là. Ah, c'est vrai que c'est bien joué, un petit peu pleine raquette, mais c'est la force des Chinois. On sent que le Lin Gaoyuan ne va pas se déstabiliser, il va rester vraiment avec son revers. Peu importe la vitesse de Manu, il peut le contrer assez facilement. Ouais, et ça a été très vite là dans ce premier set en faveur du Chinois qui tourne à 11-4. Une respiration sur la chaîne L'Équipe et on vient revivre ce match d'Emmanuel Le Besson. A tout de suite. De retour en direct de la table 1 des mondiaux de tennis de table à Budapest. Emmanuel Le Besson, notre numéro 1 français, est lancé, ça y est, dans ce match. Thomas, face à Lin Gaoyuan, il a un peu stoppé l'hémorragie des fautes directes en coup droit. Et c'est un vrai mano à mano désormais. Ouais, c'est vrai, un petit peu de précipitation sur... dans le jeu de Manu, ouais, bien joué, bien battu. Dans le jeu de Manu au premier set. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu sur les premiers enchaînements, voilà, faire beaucoup moins de fautes, ne pas hésiter à faire jouer son adversaire. Par exemple, ici, voilà, un point juste en se battant et ramenant la balle sur la table. Voilà, tout numéro 3 qu'il est, Lin Gaoyuan peut faire des fautes, peut se mettre à paniquer, etc. Ouais, là, il faut juste trouver le bon équilibre entre faire jouer et ne pas être passif non plus, parce que voilà, cette remise... La remise un peu facile, là c'est facile après de vraiment monter comme ça avec le bras au-dessus de la table. Là, c'est vraiment quelque chose qui lui fait pas peur à Lin Gaoyuan. C'est vrai que cette petite balle, ce petit flip en revers qui vient jouer en ligne dans le côté coup droit de Le Besson lui fait souvent mal. On voit que Manu essaye d'enchaîner très très rapidement le pivot. Il suffit de le décaler un petit peu plus sur le côté coup droit. Et là, c'est dur de négocier la balle pour Manu. Allez, ouais, bien joué. Là, c'est vrai que c'est bien suivi de la part de Lin Gaoyuan. Là, il s'énerve pas. Il reste près de la table, bloqué. Pourtant, la balle de Manu va très très vite. Là, c'est dur, c'est vrai qu'on voit Lin Gaoyuan, là il prend pas son adversaire à la légère. Non, on avait vu un joueur qui était
serein, plutôt contreur lors du premier set, et là qui est un peu plus capable de prendre le jeu à son compte. On est monté d'un cran dans l'intensité dans cette deuxième partie de match. Ah, encore contré là, c'est dommage parce que Manu trouve le bon placement en plus sur le milieu, sur le corps de son adversaire, mais là ça va beaucoup trop vite pour lui. La qualité de balle de Manu lui fait pas peur à Lin Goyuan. Ah non, pas cette faute là. Faute un peu facile de la part de Manu Le Besson. Il est aux commandes hein, dans cet échange. Ouais, c'est encore une fois avec ce revers joué limite. Flip superbe, ça va très vite. Ça va beaucoup trop vite, là il n'est pas du tout gêné par la qualité de balle de Manu. Et c'est fini pour cette deuxième manche, un deuxième set qui aura été quasiment aussi rapide que le premier. Pourtant, le Français l'avait bien commencé. Ah, c'est dommage, il était au coude à coude vraiment à la mi-set. Mais après, c'est vrai qu'il est un peu aspiré par le revers de Lin Goyuan, qui a un contrôle complètement exceptionnel et qui arrive à le décaler très très rapidement dans le côté plein coup droit. Manu est toujours battu. Va falloir faire beaucoup plus pour inquiéter Lin Goyuan, qui n'est pas numéro 3 mondial pour rien. Oui, qui vient de remporter les 7 derniers points. Il y avait déjà eu un joli rush sur la fin du premier set. Et clairement, là, les ouvertures sont peu nombreuses pour le Français. Je ne sais pas si on pourra entendre le coaching côté français, ce serait sympathique aussi. Ah, donc là il s'agit maintenant de donner des options tactiques à Manu. C'est vrai que le service dans le côté coup droit de Lin Goyuan marche plutôt bien, associé avec un service long. Après c'est l'enchaînement, trouver le bon placement avec son coup droit, peut-être aller dans le plein coup droit. Et c'est vrai que pour l'instant, quand on est allé dans la zone revers ou zone milieu, là on voit qu'il n'y a aucun souci pour Lin Goyuan. Il n'est pas du tout perturbé et arrive à rester près de la table et maîtriser le coup droit de Manu. Saplatonov face à Wang, il a été mené dans ses deux premiers matchs. Emmanuel Le Besson, renverser la situation, il est capable de le faire, même si l'adversité n'est pas la même aujourd'hui. Bien servi, le service. Il était déterminé hein, après ouais, bien sûr. Cette fin de set. Il y croit encore, évidemment. Le 2 Sévrien. Encore une fois, toujours le même schéma tactique. Là, une prise de balle très tôt de la part du Chinois. Et là, Manu ne peut pas accélérer avec son coup droit. Il est pris de vitesse à tous les coups. Ça c'est magnifique, le petit jeu au-dessus de la table de Lin Goyuan. Remise très courte en coup droit et après une prise de balle en revers. On va pouvoir le voir ici. Hop, ça va très très vite dans le plein coup droit de Manu. Il est complètement fixé. Sacré l'accident du poignet parce qu'il est sur la table. Donc rien faire d'autre. On est carrément au-dessus de la table. Ouais. Avec le poignet. La tâche s'annonce compliquée pour Manu, essayer de rester au coude à coude le plus longtemps possible dans le set. Oh oui, Barbeau, bien battu. Oui, clairement, là, battu. C'est sa défense qui a fait la différence. Il avait anticipé hein, le revers dans la diagonale. On va le revoir. C'est tout de suite décalé. Voilà. On sait que c'est pas son point fort en plus, le jeu loin de la table à Manu. Bah, super qualité de déplacement.
3 all. Oh là, bravo, c'est magnifique. Il faut vraiment se sortir de ce côté revers là. On voit que c'est imparable. Si on avait des statistiques, ça pourrait être intéressant. Le très peu de fautes qu'on a de la part de Lin Goyuan côté revers. Let 4-3. Ah non, service trop dur là. Un service très très coupé dans le coup droit de Manu, c'est extrêmement difficile à flipper, quasi impossible. Let 3-5. Amorcer une série là pour le français. Allez, ça c'est une bonne option tactique pour un démarrage au-dessus de la table. Et en plus, ensuite on enchaîne très rapidement avec le coup droit, c'est quasi imparable. C'est ça. Aller finir sur le revers, c'est jouable plutôt que d'aller dans un coup de transition. C'est ça, et modifier les placements, surtout ne pas rester bloqué dans le côté revers, quitte à jouer moins fort. Et un service. Qui paye, ça a été rare, les points gratuits depuis le début de ce match pour Emmanuel Le Besson, ça fait toujours du bien. Bien joué. Bien le petit bloc revers là qui fait du bien, c'est pas son point fort. Voilà, remettre la balle sur la table, une balle de plus à chaque fois. Moins voir ce qu'il a. Voir ce qu'il peut avoir dans son sac Lin Goyuan là. 3 points de suite, c'est la première fois qu'Emmanuel Le Besson arrive à lancer pareil série. Encore une fois là, petit filet je crois de la part de Lin Goyuan là, ça a perturbé un peu la trajectoire. Ah, la balle qui a mal rebondi. Ah, il s'en veut parce que c'était un bon enchaînement là en plus. Ah, la balle qui a fait un petit rebond. Changez-nous ces tables. C'est un complot. On reste quand même sur des tables de très bonne qualité. Vous m'avez demandé d'être cocardier. Oh, allez, ça bien prend, tenté. Ça. Et ça c'est une faute intéressante parce que là Lin Goyuan essaye de faire un flip coup droit comme ça, quelque chose qu'il n'a pas encore essayé. Ça prouve qu'il n'est pas non plus si serein que ça en remise de service. Allez, on rate pas, bien joué. Allez, plus 2. Allez, tranquille, essayez de garder cet avantage. Un point sur 2 en remise de service, ça serait déjà bien. Et s'il peut le faire dès maintenant, on prend. Plus 3, ça lui ferait du bien. Bien joué. Et voilà qui est fait. Oh, il est même très grand, là, Emmanuel Le Besson. Avec c'est bien ce qu'il cet fait, Manu, avantage. Là. On voit qu'il commence il a gagné, voilà, il suffit de 3-4 points gagnés grâce à son côté revers. Ah, bien servi, bravo. Service rentrant. Allez, bien négocié son jeu de service. Oui, sur ces deux points-là, il peut aller à dame, Emmanuel Le Besson. Voilà, on peut imaginer qu'un service sur deux sera long et rapide dans le revers. Peut-être le premier, peut-être le deuxième. Ah, il a opté pour un service court revers. Allez, voilà. Bien joué. Ah, c'est un scénario qui marche, hein. Ça trompe pas. La balle lui revient quasi automatiquement dans la partie pivot. Et là, on peut aller dans son plat coup droit à Lin Goyuan. On peut y aller. Et balle de 7. Allez, essayer en faveur du français. Essayer de finir. J'attends un petit peu que le public trouve son calme. Bravo. Et c'est fait. Et c'est fait. Emmanuel Le Besson qui revient
dans ce match face au numéro 3 mondial en remportant ce troisième set sur le score de 11 points à 7. Voilà le doute qui peut s'instiller dans la tête du Chinois. Et surtout, et c'est peut-être ça le plus encourageant, Thomas, c'est que le Français se libère, vous le disiez, ouais, avec cette prise de confiance, que le revers peut fonctionner aussi aujourd'hui. Et ouais, du coup, ça lui fait beaucoup de bien. Il se libère avec son revers. Il se libère aussi parce que tactiquement, il a identifié un peu le plan tactique qu'instaure Lin Gaoyuan depuis le début du match. On l'a vu les deux premiers sets toujours en retard dans son plat coup droit, alors que sur cette dernière balle-là, on peut le voir vraiment plus en avance et réussir à trouver la ligne. Avec son jeu de service, il faut quitte à en abuser, mais le service long dans le revers, c'est très important pour ensuite aller retourner tout de suite dans le plein coup droit de Lin Gaoyuan. On va essayer d'écouter ce que dit Cédric. Continuer à flipper, continuer à lui mettre, la pression. Dites-nous, flipper, c'est sur le service du Chinois. Il faut essayer de prendre l'initiative du point, donc avec son côté revers, venir au-dessus de la table et trouver du lift. En fait, c'est comme un top spin, mais au-dessus de la table et très près du filet, ce qui empêche le Chinois de mettre en place tactiquement au moins son point après son service. Ne pas rester stigmatisé dans la remise courte, coup droit, et jouer petit. En gros, il faut pas jouer petit et il faut rentrer dedans, quoi. Faut lui rentrer dedans, être ambitieux. D'accord. Alors flippons. C'est dur à faire. On voit un démarrage très très bas. Très très bas, faut se plier sur les jambes. Et là c'est vraiment un coup, un contre-top spin très difficile à négocier. Bravo. Là, y a rien à dire. C'est vrai que se réfugier dans ce genre de remise-là, c'est pas la bonne solution pour Manu. Alors certes, c'est très compliqué à mettre en place ce flip du revers que lui a conseillé Cédric. Voilà, bravo. Encore une fois, ce revers qu'il réaccélère, les yeux fermés, Lin. Ah là, il a pris les devants, Lin Gaoyuan, là, beaucoup plus au-dessus de la table, beaucoup plus en prise d'initiative. Là, il laisse plus Manu démarrer. Cette balle là, encore une fois côté revers, là il replonge un peu tactiquement. C'est dur, on est comme aspiré par le revers de Lin. Il est impressionnant, hein. Il est très près de la table, prend la balle montante. Regardez. Il arrive à jouer. Voilà. Ouais. Et l'accompagnement, c'est magnifique. Magnifique, ouais. Ce ralenti. Bravo à lui. Et oui, là dans cette diagonale revers, il peut étouffer le Français allègrement. Poursuit cette belle série, il a été touché à l'orgueil vraisemblablement par la perte de ce troisième set. Voilà, petit flip au-dessus de la table, là, il a vraiment pris les devants, là physiquement on le voit en plus sautiller entre les échanges, etc. Là il a pris les devants du match là complètement, tactiquement, physiquement, techniquement. Ce qui veut dire que pour déstabiliser ces joueurs-là, on est déjà dans une concentration extrême. Il faut jouer un super ping pendant un set et derrière, on peut le payer. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr que pour Manu, il faut jouer vraiment avec son système de jeu. Il faut jouer à 100%, il faut être à 100% de ses capacités mentales, physiques, pour pouvoir espérer accrocher un peu plus que ça Lin Gaoyuan. Il est 3 mondial, c'est pas pour rien. C'est un joueur qui commence à avoir maintenant beaucoup beaucoup d'expérience sur le circuit et sur les grandes compétitions. On le déstabilise pas comme ça, Lin Gaoyuan. Et on est en train de le voir avec ce quatrième set qui tourne à la démonstration. Ouais, là, quelques chances pour sauver l'honneur. Gratte à la table. Oui, c'était important quand même de marquer un point. Ah,
Ah, bien joué ce petit flip revers là. C'est dommage que dès le début du set, il n'ait pas su sur ses deux premières remises là. Voilà, flipper comme ça, il sait le faire, un flip un peu porté comme ça, sans mettre énormément d'effet. Voilà, le set qui défile un peu vite là pour Manu. Et voilà pour ce quatrième set qui est allé effectivement très très vite pour éteindre tout espoir, a dû se dire Lin à son adversaire. Alors on l'a vu commencer par des services longs. Lin Goyuan prend l'initiative le premier, monter au-dessus de la table véritablement quand Manu était un peu court, un peu timide au niveau de service. Voilà, comme l'a dit Cédric, son coach. Voilà, au temps mort du set précédent, voilà, il faut oser un peu plus aller flipper en revers et ensuite aller chercher directement le plein coup droit du chinois. C'est à peu près la seule solution qu'il ait pour l'instant pour le faire douter. Si on continue à rester un peu en retrait, en remise de service, ça va être très compliqué et voire impossible d'aller le déstabiliser ou en tout cas de le faire douter. Cédric qui vit en tout cas, il donne cette énergie positive à Emmanuel. Objectif de lui rentrer dedans. On peut plus entendre Time. De la bouche de son coach. Non, on le sent serein, Lin Goyuan. On sent concentré, la perte du troisième set, là, l'a vraiment remis dedans complètement. Les sensations sont là pour celui qui en a lâché 4 sets lors de ses deux premiers tours. Essayer de prendre un bon début de set, là, être actif sur les premiers points, les premiers échanges. Voilà, bravo. Il a des solutions. Au niveau de son service, on voit que Lin Goyuan n'est pas très très à l'aise non plus en remise. C'est les coups d'après, les enchaînements qui font... Voilà, qui font pêcher Manu depuis le début du match. Même si là c'est bien joué, il faut obliger Lin Goyuan à se mobiliser, à bouger ses jambes en coup droit, à envoyer des gros coups droits pour pouvoir gagner les points. Allez, c'est pas grave, quitte à faire des fautes. Voilà, c'est ça. La balle, le coup droit qui passe à rien du tout là. On va le voir. Ah, ça passe très très près de la ligne blanche. Il est obligé hein, de prendre ces risques là. Pourtant le service était bonne facture. Petit temps mort. Voilà. Mort réclamé par le clan français. Lin Goyuan qui maintenant il a compris la stratégie un peu de Manu d'aller dans son plein coup droit. C'est plus facile quand on est devant au niveau du score, certes. Encore faut-il le faire parce que la balle de Manu arrive très vite. La capacité de réaction de Lin Goyuan est assez exceptionnelle quant à ça. Quand il est face à des gros topspins et des gros enchaînements, même si son adversaire a la prise d'initiative, là il reste très concentré et très relâché surtout pour pouvoir répondre de cette manière-là. Avantage dans ce quatrième set.
en faveur du Chinois. Ah, bien joué là, pourtant c'était un placement plutôt correct là au milieu de la table, mais là Ling Yuan qui arrive à se décaler très très rapidement, voilà, pour envoyer fort en coup droit, là, c'est fort. Et pourtant le Français essaie de ne pas subir hein, sur ces attaques là. 5-1. Bien joué, bien battu là. C'est un des premiers points qu'il arrive à remporter comme ça en top sur top, un peu loin de la table. Un peu plus actif. Alors on a un petit souci au niveau de la table de on score. Voilà, voilà. Bien suivi. Il y a bien 3-5. On essaye. La balle qui tourne beaucoup là de Ling Yuan qui arrive à imprimer énormément d'effets à la balle. Là Manu n'arrive pas à le contrôler. Bien joué. Bien joué, on grappille, on essaye de grappiller quelques points. Ouais, surtout sur des séquences qui n'avaient pas été très vertueuses hein, jusque-là, qui n'avaient pas rapporté de points quand l'échange s'installait. Ah, c'est dommage, la petite faute, un peu de déchet là, en remise du revers pour Manu. Alors on sait que c'est pas forcément son système de jeu le plus fiable. Là c'est dommage. Ah, bravo, bien joué la variation de Ling Yuan là, 8-4. Oui, qui laisse le Français obligé de jouer avec son revers. C'est un bel avantage maintenant hein, pour le numéro 3 mondial. Bravo l'enchaînement de Manu. Encore une fois, c'était dans le revers de Ling Yuan. Ah, c'est compliqué quand même. Tout ce qu'il faut faire pour gagner un point pour Manu face à ce joueur-là. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est un peu classique des joueurs chinois. Voilà, c'est de prendre un temps mort très très tôt. Dès qu'on perd un point, même si on est devant de 3 points, on prend un temps mort au cas où pour ne pas prendre de risque et pas laisser la possibilité à l'adversaire de se remettre. De se remettre dans le set, dans le match. S'enflammer. Voilà, c'est ça. Ce qui est plutôt, plutôt asiatique voilà, comme culture. Qui paraît ma foi très bonne. Bah, il semblerait que oui, on n'ait pas grand chose à leur apprendre en ce qui concerne le domaine du ping. Puisque on la rappelle depuis 2003, les mondiaux. Chez les hommes et encore plus loin chez ces dames, les mondiaux ont tous vu un Chinois être sacré, voire même des Chinois avoir l'intégralité du podium pour eux. On rappelle que c'est un podium à quatre têtes. Hein, oui, aux mondiaux, il n'y a pas de petite finale. On ne joue pas de place 3-4, non. À part aux Jeux Olympiques, bien sûr. Également, exactement. Oui. Allez, on est à moins 3 là pour Manu. Essayer de revenir à au moins moins 2 avec son service. Five,
ça part de là. Encore une fois là c'est bizarre parce que ouais, la balle a pas rebondi exactement comme il le voulait. Manu, on va le voir se baisser un peu plus que ce qu'il faut. Ouais. Elle a été mal touchée là, de la part du Chinois, c'est dommage, l'enchaînement était bon. Et là il va chercher 4 balles de match. Lin Yuan. De match. Poucard a gagné. Poucard s'est imposé sur une autre table. Ouais, le croate qui a battu le numéro 2 allemand, 12e joueur mondial. Voilà. Et c'est terminé également sur cette table 1 avec l'élimination de notre numéro 1 français qui aura été vaillant, qui aura bousculé pour la première fois le Chinois sur cette semaine de mondial. Oui, mais voilà, le savoir-faire de l'Empire du Milieu a pris le dessus et Emmanuel Lebesson doit s'incliner au troisième tour. Mission accomplie, nous avait-il dit, c'était son objectif d'avant-tournoi. Il n'aura pas pu grappiller un peu plus face à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Non, c'est vrai que pour Manu, c'est quand même un beau tournoi. Il a sorti deux matchs très très durs, très très compliqués pour lui sur les premiers tours. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà, aujourd'hui, il a tiré la quintessence de ce qu'il pouvait faire face à Lin Gaoyuan. C'était un peu trop dur. On a vu ce qui se faisait de mieux au niveau du ping mondial. Et voilà, on sait ce qu'il lui faut maintenant pour essayer de battre ces joueurs-là sur des gros.